Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être détente, enfin détente pour vous, parce que pour moi je pense que je vais passer un mauvais moment, vous allez comprendre pourquoi. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme. Comme vous pouvez le voir, je suis de retour sur la chaîne. Je vais en profiter dans cette vidéo pour vous faire quelques annonces. Ce sera la surprise, comme ça je verrai ceux qui me suivent vraiment. Comme vous avez pu le voir, donc depuis quelques jours, enfin depuis quelques temps, hein, je suis un petit peu absent de la chaîne. Vous savez pourquoi, j'avais besoin aussi un petit peu de repos et de faire le point. Et je n'ai guère eu le loisir en fait de me reposer, puisque rappelez-vous qu'il y a quelques temps, je vous avais parlé d'un certain entretien d'embauche et que j'attendais une réponse. Eh bien, sachez que la réponse, je l'ai eue et que ça fait déjà quelques jours que je travaille. Voilà aussi pourquoi je suis moins disponible, enfin vous me voyez moins aussi sur la chaîne, puisque concrètement il a fallu préparer le déconfinement, il a fallu que je m'y remette aussi, hein, parce que ça faisait un petit moment quand même que je n'avais pas travaillé, enfin en tout cas dans ce domaine-là. Hein, et puis voilà, donc sachez que je suis très content, je suis un petit peu fatigué parce que c'est vrai que la reprise est un petit peu difficile, enfin un petit peu, faut pas non plus exagérer, hein, c'est pas... On fait pas 10 000 couverts par jour, très concrètement, puisque comme vous le savez, tout ce qui touche à la restauration, on est limité à un certain nombre de couverts, et surtout, on ne doit servir qu'en terrasse. Donc, bah forcément, hein, ça réduit le nombre de possibilités. Mais sachez que tout se passe très très bien, que je suis très content également, et par conséquent, eh bien, ça va modifier certaines choses pour la chaîne, puisque je vais devoir m'organiser pour vous préparer des vidéos à l'avance que je vous posterai du coup sur la chaîne. Et puis voilà. En revanche, l'autre annonce que j'aurais à vous faire, c'est que, mais ça, je vous en parlerai dans une vidéo complètement dédiée, je vais devoir arrêter les consultations privées pour la simple et bonne raison que je n'aurai plus le temps, tout simplement. Concrètement, je ne peux pas et gérer ma chaîne et gérer mon travail. Il y a un moment où il faut, bah, que je me repose quand même un petit peu, hein, surtout que, je travaille, toute la journée, j'ai envie de dire. Et là, pour le moment, on est sur un rythme du déconfinement, c'est-à-dire que, il y a le couvre-feu à 21 h, mais à partir du 9 juin, on passe sur un couvre-feu de 23 h. Et là, ça va être beaucoup plus chaud, j'aurai encore moins de temps, donc c'est pour ça que je vais devoir arrêter les consultations et juste me consacrer à la chaîne, faire mes petites vidéos tranquillement et tout ce qui sera service tiers à côté. Ça sera vraiment en fonction de mon temps, je vous l'annoncerai, je vous dirai si je suis dispo, si je suis pas trop fatigué, si je peux le faire, etc., etc. Mais voilà, je préfère déjà un petit peu vous annoncer la couleur. Au niveau des nouvelles, parce que je sais que vous avez été nombreux à m'en demander, très nombreux, très 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 nombreux, et d'ailleurs je vous en remercie très chaleureusement et du fond du cœur, merci à tous. Sachez que pour moi la page est tournée, c'est bon, j'ai tiré des leçons. Et puis voilà, maintenant je suis juste décidé à avancer, à faire ma vie, à penser à moi de façon très égoïste, mais alors vraiment très très égoïste. Ce sera à moi mon plaisir, parce que du coup, grâce à ce travail, eh bien ça ouvre de nouvelles perspectives avec ces comme le fait de potentiellement devenir propriétaire, hein, donc déménager, acheter notre maison, construire notre vie, construire notre famille et tous les autres, les trolls, les cons, les parasites, les j'en passe. Franchement, maintenant, j'accorderai même plus du temps, c'est terminé, c'est voilà. Donc je me suis fait mon petit cocon, ma petite bulle réparatrice dans laquelle je me ressource à fond les ballons. Et merci pour votre présence. Et c'est pour ça que je ne tiens pas à vous abandonner. Hein. Je serai toujours là et la chaîne sera toujours là. Simplement, il va falloir que je m'organise autrement pour pouvoir tout faire.
Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? De quoi on va parler? Bon, déjà, vous pouvez le voir sur votre écran qu'il y a écrit en gros The Medium. Est-ce qu'on va parler de médium? Est-ce qu'on va parler de fantôme? Oui et oui. Mais on ne va pas en parler de façon conventionnelle comme j'ai pu déjà vous le faire en vidéo. Non, là, on se fait une petite vidéo détente. Donc, je vous invite à faire comme moi. Je me suis fait un bon chocolat chaud. Donc, assistez-vous. C'était pas le mot que je voulais dire, c'est pas grave. Installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre lit, dans un bon fauteuil, peu importe. Vous prenez une petite boisson chaude. En plus, je sais pas chez vous, mais alors ici, le temps est absolument exécrable. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je ne travaille pas parce que concrètement, ouvrir une terrasse sous la pluie, hein, voilà. Donc, je vous propose cette petite vidéo complètement détente. Et je vous disais alors, pour vous, ce sera de la détente. Pour moi, ça ne va pas l'être parce que médium, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu vidéo qui est sorti il y a quelques mois de ça, il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il est sorti fin 2020, si je ne vous dis pas de bêtises. Il est disponible sur PlayStation, sur Xbox, sur PC, et je crois aussi qu'il est optimisé pour les consoles nouvelle génération. Je veux pas dire de bêtises, c'est à vérifier. Non, c'est pas disponible sur PlayStation, qu'est-ce que je dis? Puisque c'est une exclusivité Microsoft. Donc non, c'est disponible que sur Xbox et sur PC, pas sur PlayStation. Pour une fois que Xbox a une exclusivité. Alors. Je m'en étouffe, vous voyez. J'ai été mauvaise langue avec Microsoft, vous voyez, le karma, il m'a puni. Donc, Medium, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu que je vais déjà découvrir avec vous, puisque je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Je l'ai téléchargé, ça fait un moment que je l'ai téléchargé, mais je voulais en fait vous attendre, je voulais le faire en même temps avec vous. C'est un jeu solo et comme son nom l'indique, nous allons incarner un médium, enfin une médium en l'occurrence, qui va partir eh bien, à la recherche de son passé, de choses. C'est un jeu horrifique, donc me connaissant, je pense que vous allez bien vous marrer tout le long de la vidéo. Parce que déjà que sur Phasmophobia, avec mon équipe, je suis une grosse flippette, mais alors sur un jeu comme ça, tout seul, là pour le coup, envoyez-moi du courage parce que je vais en avoir besoin. Non, c'est fou. Autant je ne suis pas peureux dans la vraie vie, mais autant dans les jeux vidéo, pas les films, parce que j'adore les films d'horreur. Mais alors les jeux vidéo, je sais pas pourquoi, j'adore les jeux d'horreur, mais j'arrive pas à y jouer parce que ça me terrorise, c'est complètement débile, je sais, ça n'a aucun sens. Allez, on y va, donc on appuie sur une touche pour commencer. Excusez-moi si jamais il y a des couacs, des bugs, des machins ou autre, parce que vraiment le jeu, je vais le découvrir avec vous. J'ai juste vu quelques petites vidéos sur YouTube de gameplay, mais c'est tout. Je connais vraiment pas le jeu. Je connais pas les touches non plus, donc je vais vraiment tout découvrir en même temps que vous. Allez, c'est parti, nouvelle partie. Du coup, je vais en profiter pour boire un petit peu, hein. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si jamais le son était trop fort, soit de ma voix, soit du jeu. Comme ça, les prochaines vidéos, je pourrais vous régler le son. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je lance play? Oui? Ah oui. It all starts with a dead girl. Bien. Commence fort le jeu, hein. Qui veut un thé? Ever since I was little, I've had this dream. It's the end of summer. A girl is running through the woods. The moon, the scent of pines.
And then the gunshot. It always felt so real. The blood on my cheek, the cold sweat running down my skin. I'd managed to convince myself it really happened. This scar, the memory. But part of me I could never fully understand. Oh, fumée, c'est mal. That wasn't the only part. No wonder people used to think I was strange. If they only knew. Okay, donc on peut supposer... That day when the phone rang, it was the hardest day of my life. The day I went home to say goodbye to my father. Dress him up for his last journey. Put him in a suit, fix his tie. Simple. Just the things he did every day. But looking through his stuff wasn't easy. I needed a moment to pull myself together. I was almost ready. I just had to find his special tie clip. Ok, donc d'après ce que j'ai compris, la petite fille qu'on vient de voir en début de cinématique, il s'agit d'elle, qui vraisemblablement a été tuée, peut-être. En tout cas, grièvement blessée et laissée pour morte, on va dire. Et apparemment, elle vient de perdre aussi son papa. Alors, WSDA pour se déplacer, bah non, parce que moi, je vais jouer avec une manette, donc... Voilà, avec le joystick. Ok. Alors, vous m'excusez si elle tourne en rond, si elle piétine, si elle fait un peu n'importe quoi au début. Hein, c'est pas elle qui fait n'importe quoi, c'est moi qui découvre les touches. Le living derrière est magnifique. Hein. Le meuble, waouh, il est vraiment splendide. Les graphismes aussi sont très très beaux. Ok, donc là, je peux pas aller... Ah, il y a quelque chose ici à voir. Nous avons ici un agenda. 1999. Ça ne nous rajeunit pas, ça. Hein, ça ne nous rajeunit pas, on est bien d'accord. Parce que je pense que 98% de vous, mes abonnés, 1999, on était vivants. Hein. ah, voilà. Alors, octobre, fête des saints anges gardiens. Le 3, enterrement à 10h. 4, ultrasons. 7, Notre-Dame du Rosaire. 9, biopsie. Envoyer le colis à Marianne, visite du neurologue, enterrement à 10h30, ultrason. Ah non, c'est les heures, ça, je suis bête. Visite du neurochirurgien, enterrement de 9h à 11h. Ah non, c'est. Ah non, non, c'est les jours d'octobre, ça. Mais elle a combien d'enterrements? Attendez, on est d'accord que elle enterre son père. Ah, est-ce que par hasard, elle serait pas. Comment on appelle ça? C'est pas promptologue. Ah, je voulais pas employer ce mot croque-mort. C'était pas du tout le mot que je voulais employer. Parce que du coup... Ou alors, est-ce que c'est son père? Ah, c'est peut-être son père qui travaillait dans une morgue. Novembre, Toussaint, jour des morts et opération. D'accord. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de spécial sur la table, non? Rien de spécial. Ok. Bon, alors ce que j'aime, c'est que les touches sont très intuitives sur la manette, ce qui fait que ça va grandement me simplifier les choses. J'ai horreur de ce type de caméra fixe, parce que vous savez jamais s'il y a un truc qui va se cacher dans un angle. Ça c'est horrible. Je vous jure, si vous... Ah, shit. Angel? Yeah. Nice to see you too. Je viens de te voir, Angel. Et t'es parti dans la cuisine. Je parie que c'est la cuisine. Ah non, dans le salon. J'ai été mauvaise langue. Jack's room.
It's like he never. Alors, je vois qu'il y a quelque chose sur le mur. Ok, on a des médailles. Jack was part of the solidarity movement. He spent a few months in an internment camp, but even that couldn't dampen his spirit. Jack, c'est son père qui l'appelle Jack? Ça serait pas son vrai père? Pas son vrai père. Du coup, ça serait son père adoptif. En tout cas, ce monsieur Jack a fait de la prison, apparemment. Pourquoi on a le... Vous le voyez là, le crucifix? Et on dirait qu'il clignote. Et je peux pas aller dessus. Ah, on est d'accord, on dirait que le crucifix clignote. Donc peut-être que c'est un objet important. Non, je peux pas... Je peux... Ah, il y a un petit quelque chose là. Come on, Jack, where'd you put it? Okay. Let's do this the other way. D'accord, donc elle cherche sa pince à cravate. Maintenez LB pour activer la vision. Ah! Je suppose que c'est sa vision de médium. Et voilà, nous avons donc la cravate. Là, la cravate. La pince à cravate. Les couleurs, là, ça me fait penser à un drapeau... drapeau des pays, pays de l'Est. Accéder au funérarium. Je suis pas sûr de vouloir. Ça, je sais pas vous, mais... Jack's waiting downstairs. Jack attend en bas. J'ai envie de dire que s'il est décédé, il a le temps d'attendre, hein. Mais pas pressé d'aller le voir. I used to think I'd never fit in. But Jack, he didn't mind my weirdness. He kept telling me I was special. On dirait bien que ce Jack, c'est son père adoptif. Ou peut-être un ami. Ou peut-être que c'est l'homme qui l'a découverte, vous savez, dans le début de la cinématique. Peut-être que c'est cet homme qui l'a découverte et qui l'a prise sous son aile. Keep hissing at me. Who do you think's gonna feed you now? On peut caresser la mimine? Non, on peut pas. Elle se lave, voilà, elle se lave. Preuve que les chats ne font que ça, se laver. Jack was a humble, religious man. He ran a funeral home, and I'd help out whenever I could. It felt good to be useful. Vous avez vu que l'autre crucifix clignote aussi? Alors, j'ai activé ma vision de médium pour voir si... Mais c'est bizarre, ces crucifix qui clignotent. Ah, il y a le pot aussi. Bon, on a un crucifix, on a des pots qui clignotent. Ah, c'est peut-être les éclairs dehors. Ah, c'est peut-être les éclairs dehors. Bon, écoutez les amis, il semblerait que... Ah, on peut fouiller le placard là? Non, on peut pas. Bon, bah, il semblerait qu'il n'y ait plus rien ici. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce meuble? Non. Ah, c'est quoi là? Je vois un petit quelque chose. We lived upstairs from Jack's funeral home. It ah, non, wasn't non, mais... as weird as it sounds. On va attendre, on va d'abord... If it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. On va d'abord faire le tour de l'appartement, hein, avant de faire quoi que ce soit. Interesting. 1984. Ah, moi, j'étais pas né pour le coup. Bon, on peut pas l'ouvrir, apparemment. Retenez bien, 1984. Ça peut être un code, peut-être. Ça peut être un code. Donc, d'après ce que j'ai compris, on serait en 1999 ici. Ah, la cuisine. Ah, on va nourrir la mimine. Ah, faut peut-être du coup que je récupère des croquettes avant. Alors, attendez. Looks nourishing. Ah, bah voilà.
Je suis pas sûr que je donnerais ça à Angèle, moi. Ça m'a. Qui c'est? Oh non, 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 Angèle, je te donnerai pas ça à manger. Non, non, ça n'a pas l'air terrible cette affaire. Associé, bah non, je veux associer à rien du tout puisque je veux le mettre dans la gamelle. Ok. Alors, nourriture pour Here you chat. go. What's your face? Glad to see you're still kicking around. Voilà. Voilà la vie d'un chat. Il se lave, il mange. Il mange, il se lave, il se lave, il mange. Et j'ai rêvé où elle l'a appelé Machin. Ah, il s'appelle vraiment Machin le chat? Non, parce que c'est un peu débile comme nom quand même. Hein. Alors, good morning. Enterrement symbolique de la mine de Sirsa. Les mineurs de Sirsa sont venus travailler aujourd'hui comme tous les jours, mais en lieu et place de leurs lampes torches et pioches habituelles, ils transportaient un cercueil noir orné de chandelles allumées, symbole du décès de leur société. Ce n'est pas l'enterrement de la mine, expliquent les membres du comité de sauvetage de Sirsa. Nous refusons qu'on enterre nos postes. Ce cercueil est celui de la houillère de la Vistule. Les mineurs ont aussi annoncé la poursuite du travail demain. Ils ne croient pas à la liquidation de Sirsa. Pendant ce temps, les employés murent symboliquement le siège. Ah, mur, muré. Symboliquement le siège de la houlière de la Vistule à Tichy, à raison d'une couche de briques par jour, plus que 5 couches avant d'atteindre le plafond. Nouvelle mission de l'OTAN, préserver la stabilité dans le monde de l'après-guerre froide. Bill Clinton. Ah ouais, on est bien dans les années 90. Je veux pas de blagues vaseuses sur Bill Clinton. Ah, c'est bon, on est assez paix, donc. Président des États-Unis a prononcé aujourd'hui un important discours de politique étrangère pour commémorer la chute du mur de Berlin. Ah bah oui, 99, c'était en 89, donc 10 ans jour pour jour. Ah oui, octobre, ah bah oui, du coup, par rapport au jeu, ça fait 10 ans jour pour jour. A évoqué les initiatives de l'entreprise pour consolider les démocraties en Europe centrale et de l'Est, ainsi que les défis qui nous attendent. Le président américain a par ailleurs souligné que l'engagement et la gouverne des États-Unis sont et demeureront essentiels à la transformation pacifique de l'Europe. Cette vision d'une Europe unie, démocratique et paisible a été renforcée par une avancée majeure, l'élargissement de l'OTAN à la Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Vous avez vu tout à l'heure, je vous parlais de la broche de cravate et que le drapeau, ça me faisait penser à un pays de l'Est. Ce faisant, les chefs de l'OTAN espèrent consolider ces jeunes démocraties pour mieux garantir, pardon, leur contribution à la sécurité et à la stabilité de l'Europe. Ok. C'est marrant parce que ce puits de mine, ça me fait penser à celui de Saint-Étienne. Il faut savoir qu'à Saint-Étienne, c'était une ville minière, très minière. Et on a beaucoup de puits de mine comme ça, et on en a un qui est assez emblématique, qui est le puits Curiaux. On s'en fout, mais on s'en fout, mais alors complètement en fait, je suis pas un guide touriste. Non, parce que alors si je vous raconte une histoire à chaque truc que je lis, on va pas beaucoup avancer. Hein. Une salle rouge. Ouh là là! Il faut développer des photos. Oh, je me rappelle plus comment on fait. Je me souviens que j'avais fait, j'étais jeune, hein, je crois que c'était à l'époque du collège. On avait des options et j'avais pris une option photo, faire du développement photo. Mais ça date, hein, ça remonte il y a presque 20 ans. Hein, donc je sais plus. Je sais qu'il fallait tremper dans des bains, dans plusieurs bains. Alors attendez, déjà, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais si on avait pas, si on a, alors, ah, on a peut-être des instructions. En 1, illuminate photo pendant 5 secondes. Donc il faut exposer la photo à la lumière pendant 5 secondes. Ensuite, deep in multigrade for 3 secondes. Deep, ensuite in stop for 3 secondes, in fixer for 3 secondes. D'accord, donc reste à savoir. Donc ça, le 2, 3 et 4, c'est les 3 bains différents. Reste à savoir lequel est lequel. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, on va faire un essai, hein? Alors. I guess I forgot about this one.
I can do it now. D'accord. Ravi de savoir que. Donc, on va poser la photo. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, on va essayer dans ce bain-là. 1, 2, 3. Ensuite, dans celui-ci pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Et enfin, dans celui-ci pendant 3 secondes aussi. 1, 2, 3. This is the last photo I took of you, Jack. Eh, franchement, hein, 20 ans après, il me reste des choses sur ce que j'avais appris. Non, en fait, j'ai juste lu la consigne qui était accrochée sur le mur, quoi, c'est tout. Alors, la photo de Jack. Vous avez vu qu'il y avait un air de ressemblance avec ce monsieur? Ah, je sais, ça doit être dans la barbe. On a la même. Ça, à mon avis, je pense que dans 10-15 ans, je devrais ressembler à quelque chose comme ça. Ça va, je suis pas trop moche, hein. J'avais peur du futur, mais si je ressemble à ça, ça va, c'est pas mal. Enfin, ça pourrait être pire, on va dire. Allez, et ben du coup, on n'a plus rien à faire là. Non, il semblerait que non. Est-ce qu'on a d'autres choses à récupérer? Des postaux, peut-être? Non, on n'a pas de photos. Ok. Alors, vous saurez, les amis, que quand je suis stressé dans un jeu, j'essaye de combler ma panique par du blabla. Ça me rassure. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah ben, on en vient. On en vient. Et là, au fond, donc, il n'y avait rien. Ah non, attendez, on n'en vient pas tout. On n'est pas allé voir là-bas, cette porte. Ah, la chambre. Weird to be back in my old room. So many memories. Oh, elle avait une grande chambre. C'est une grande chambre, ça. Non, mais à Paris, ça, c'est même un appartement. Hein. Appartement que vous payez 1500 euros au moins par mois. Ok, on a plusieurs choses ici. My oldest family heirloom. As a kid, I'd show this to people just to freak them out. I'd usually say something like, pretty sick, huh? I was such a dork. Alors, brûlure thermique au deuxième degré couvrant 35% du corps. Ah oui, quand même. Suspicion de blessure par inhalation. Habillage des plaies, assistance respiratoire, réanimation, traitement de la douleur, patient placé sous oxygène à haut débit. Oui, c'est normal si elle a eu le Covid. Ok, donc apparemment, elle a été admise aux urgences quand elle avait 3 ans. Ce qui ne correspondrait pas avec la cinématique, hein, parce qu'on est bien d'accord que la petite fille, elle avait plus quelque chose comme peut-être 6-7 ans dans la cinématique. Ou alors, elle était très grande pour son âge. D'accord. Ça, I used to get a lot of these. To me, they were like trophies. Badges of honor for doing the right thing. Jack wasn't too amused, but he did his best to cover for me. I kind of feel bad for making him go through all that. Ah, mais il semble avoir recueilli tôt quand même, hein. Je pense que c'est pas son père biologique, parce que pourquoi est-ce qu'elle l'appellerait Jack? Je vois ma mère, je vais pas l'appeler Birgit, c'est débile. Donc je pense que ça doit être un homme qui l'a recueilli ou qui l'a adopté. Alors, cher monsieur Orkan, nous devons vous demander d'assister à la prochaine réunion parents-enseignants, car nous aimerions évoquer avec vous les événements qui ont eu lieu jeudi dernier. Pour faire court, Marianne a transmis à un élève un message de sa grand-mère récemment défunte. Ah oui, le message, entre guillemets. Nous sommes conscients que Marianne cherchait à consoler son camarade, mais vous comprendrez bien que son comportement est pour le moins inapproprié, étant donné qu'il ne s'agit pas du premier problème comportemental dont nous vous avons informé.
Nous estimons qu'il est grand temps d'organiser un rendez-vous pour envisager l'avenir de Marianne dans notre école. Ben oui, mais si elle est médium, hein, voilà. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Ah, là on a une photo. Kids from the orphanage. Ah, not all of them had my luck. That's why I kept coming back. To play. To take care of them. To listen. That was the least I could do. Voyez, j'avais raison. C'est une photo donc de l'orphelinat et elle vient de dire que tous les enfants n'avaient pas eu sa chance et qu'elle venait souvent les revoir pour jouer avec eux, prendre soin d'eux, etc. Donc elle a bien été Spirits. Adoptée. There was a time I'd try to run from them, to ignore their calls. Matthew was the first one I helped pass on. Vous avez vu, c'est curieux, je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est moi qui vois. Regardez entre les deux enfants de gauche, là, les petits blonds. Au milieu, on a l'impression de deviner une tête de profil. Ça fait le crâne comme ça, il y a l'arcade sourcilière, le nez, une bouche qui serait ouverte, le menton, on voit le creux de l'œil. Peut-être que c'est moi en fait, hein, mais j'ai l'impression que ça fait une tête. Après, peut-être que c'est voulu ou pas, je sais pas. Ok. Bon, en tout cas, les graphismes sont vraiment beaux. Hein. On s'y croirait. Vraiment, on s'y croirait. Ah, elle a une lampe de sel. Yeah. I used to have a thing for them. Don't know why, really. I guess they just used to make me happy. Jack knew it well. That's why there's so many of them here. Ils sont jolis tous ces papillons. Cette action aura des conséquences. Dédicace à Stella. Est-ce qu'on a des choses à voir sur ces papillons? Non. Celui en bas là, avec les ailes bleues, il est vraiment très joli. Enfin, ils sont tous beaux en même temps. Mais... Ok, donc là, on n'a plus rien à voir, c'est tout bon. Oui, ça on avait regardé. Oui, ça on a regardé. Ok, bon bah écoutez, on va partir. Hein. On va partir. Oui, voilà, elle était là à la porte. L'ambiance est vraiment vraiment glauque quand même. Hein. Bon, ça doit être les voisins. On va pas aller chez les voisins. Si, je vais m'amuser à sonner et je pars à la course après. L'ambiance est incroyablement bien réussie. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez du jeu. Mais perso, je le trouve vraiment beau. Jack taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. Entre nous quand même, hein, le nom du funérarium, le dernier adieu. Je trouve pas ça de super bon goût. Pas oui et non. C'est super glauque ici. Ok, on y est. On y est. Bon, on rentre. Clé. Jack's in the prep room. Alors, je vais vous confier un truc. J'ai horreur,
horreur, horreur des morgues, des maisons funéraires et des choses comme ça. Ça, c'est encore pire que les hôpitaux. J'aime pas les hôpitaux. Quand je rentre dans un hôpital, même si c'est juste pour une simple visite ou ça me met dans un état, c'est à la limite du supportable, je vous assure. Et tout ce qui est maison funéraire et morgue, c'est une épreuve qui est juste horrible, c'est impossible. Alors, chambre de préparation, accès interdit. D'accord, donc je suppose qu'il faut une clé, clé qu'on n'a pas, clé qu'il faut chercher, bien évidemment. L'arbre. On dirait l'arbre mort du Gondor à Minas Tirith, référence au Seigneur des Anneaux. Qu'est-ce que je dois voir ici? Peut-être quelque chose de particulier? Non? Non, rien de spécial. Bah pourquoi elle me montre ça? Peut-être pour admirer l'arbre. Ah, nous avons la clé de la salle de préparation. Très bien, c'est ce qu'on cherchait. Alors, nom du défunt. Adam Novak. Lieu de naissance, Cracovie. Ok, donc c'est un devis. Enfin, si on peut dire ça comme ça. C'est une photo de Jack, je suppose, avec. Comment on s'appelle d'ailleurs? Je sais même pas comment on s'appelle. Vous savez comment elle s'appelle? Elle l'a dit peut-être? J'ai pas été attentif. Ok, bon, on n'a rien d'autre là. Alors les amis, moi je veux finir comme ça. J'ai une magnifique urne funéraire avec la tête d'Anubis. Je sais pas si je l'avais montré. Je veux finir dans cette urne-là et je vais être au milieu de mes décorations égyptiennes. Voilà. Je sais, c'est très glauque. Mais ce sont mes volontés, je fais ce que je veux. Enfin, je ferai surtout ce qu'on pourra, hein, puisque même avec notre mort, on n'est même pas libre de faire ce qu'on veut et on n'est même pas libre de finir là où on voudrait finir. Alors, ok, cette porte ne s'ouvre pas. Donc on va aller dans la salle de préparation. Oh là là, il n'est pas question que je descende là-dedans. La lumière, est-ce qu'il y a de la lumière quelque part? Ah non, non, mais vous plaisantez, je descends pas là-dedans, moi. C'est hors de question. Oh, punaise. Allez, Joe, pour tes abonnés, pour tes abonnés. Il va y avoir quelqu'un qui va me sauter dessus, là. En plus, j'aime pas ces angles. Oh là là, ça me rend mal à l'aise, je vous jure. Là, c'est une horreur. J'en ai la chair. Not sure if I'm ready for Ah, this. bah, moi aussi, je suis pas sûr d'être prêt. Donc, bah, on va repartir. Je vous jure, si je vois une silhouette, si je vois un truc, j'éteins le PC. Non, mais t'es pas obligé non plus de. Hey, Jack. On était vraiment obligé de faire ça? Donc ça pince à cravate, mais on n'a pas de cravate. Ça sert à rien de mettre une pince à cravate. Bah oui, on n'a pas de I got cravate. your special clip. Now, where's your tie?
Bonne question. Moi, je sais pas où est-ce qu'elle est la cravate. Ah, attendez, il y a quelque chose derrière. Là, il y a une cravate. Voilà. Associer la pince et la cravate. Très bien. Tac, et voilà. Et on va Snazzy. pouvoir. You wouldn't have it any other way. On va pouvoir lui mettre sa cravate. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. I guess you're ready. Am I? Oh, can't you people read? The sign says closed. Voilà, c'était donc Medium. J'espère que vous avez aimé le jeu parce que vous n'êtes pas prêt de voir la suite. Okay. Ah super, je suis dans le noir en plus. Non. C'est quoi ça là-haut dans les escaliers? Ça va me bondir dessus. Angèle, viens, j'ai peur. À mon avis, il faut que j'aille dans la pièce où la porte s'est fermée toute seule. Je pense que c'est un indice. You felt it too, huh? Je viens de voir un truc passer, là, on est d'accord? And then it happened, as it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Oh, where is that darn notebook? I'm gonna be late! I need to find that. Marianne? Marianne, are you crying, my child? It's fine, Jack. Now, you didn't happen to see my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully. Where is that? Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. I can't just. What? Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Why is it so cold in here?
I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're gonna be all right? Yes, Jack. It's gonna be fine. I promised myself once I would never let anything happen to you. Not while I'm around. I'll be fine. I promise. No risky stuff, then. All right? All right, Jack. Be good, Marianne. I love you, my child. I've loved you since the moment you walked into my life. Remember that. Always. Vous savez quoi, j'en ai presque la larme à l'œil. C'était une scène très émouvante. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But no. I was the Allez, only one. Je vais t'accompagner, je vais noyer mon chagrin dans le jus de fruits. Oh. Or so I thought. We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look. If this is a joke, You need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Neva Resort. Find me there. Please. The light, it's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Okay. Ok, ça c'était l'intro. Sympa le générique comme ça avec, avec des vraies vidéos. Bon, alors je sais pas vous les amis, mais alors personnellement, moi il y a un inconnu qui m'appelle Salut Joe, chez qui tu es, rendez-vous à telle heure. Oui, bah tu m'excuses, il y a beaucoup de personnes qui savent qui je suis, donc. Ah, voilà. Par contre, j'ai un doute. En fait, on est déjà dans un pays de l'Est, on doit être en Russie ou quelque chose comme ça.
quelque chose de creepy dans ce générique. Je ne sais pas si vous connaissez le film The Ring, le cercle, vous savez, avec la vidéo maudite. Ça m'a fait penser à cette vidéo. And off I went, on nothing but a hunch. A call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. Felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. The Neva Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. Ok, passez la porte. Bon, on va essayer. Mince. On va essayer, mais à mon avis... The front gate was locked up tight. I needed to find another way in. Okay. Anyone home? I guess not. Elle est sérieuse. Le truc, il est en ruine. Ça se voit à 100 km qu'il n'y a personne. Elle pose quand même la question, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je pense qu'elle ne devait pas s'adresser aux vivants. Alors, on a une carte postale. Coucou de Niwa. Tu te plairais beaucoup ici, mon amour. Une salle commune géniale pour les enfants et des cours de dessin gratuits. Il y a plein de familles et l'hôtel est gigantesque. Je n'ai jamais rien vu de tel. Si seulement tu pouvais être avec moi ici, tu me manques. F. Ah, c'est Joséphine... Joséphine quelque chose... Wozniak. Ok. What the? Hello? Thomas? Eh, c'est qui lui? Le problème? C'est que avec ce genre de personnage qui a une espèce de don psychique, on ne sait jamais si c'est vivant ou si c'est mort en fait. C'est ça le entre guillemets le bonheur quand on est quand on se dit médium, c'est que parfois, bah, je vous l'avais expliqué dans ma vidéo, hein, c'est que parfois je vois des gens. J'ai conscience qu'ils me voient aussi. Par contre, quand je regarde autour, j'ai l'impression que personne ne peut les voir. C'est très bizarre ce que je suis en train de vous dire. Et c'est surtout très perturbant parce que du coup, vous savez pas si la personne, elle existe ou si vous commencez à virer de la carafe. Ou les deux. Qu'est-ce qu'on doit voir sur cette carte? Je sais pas, rien de spécial. Qu'est-ce qu'il faut voir là? Moi, je vois qu'il y a des orties au pied. On pourrait faire une bonne soupe avec ça, mais hormis ça, je vois rien d'intéressant. Alors, bah écoute, moi, je veux bien faire, je veux bien passer la porte, mais j'ai cru entendre un téléphone. Yeah.
You want to keep me up, Neva? Ah ouais, mais ma moto, j'en fais quoi? We're gonna have to do better than that. Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day, it just stopped. And so, an urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. J'aime pas trop quand dans un jeu on vous dit appuyez tel bouton pour courir, parce qu'en principe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va vous courir après. Est-ce qu'il y a quelque chose dans... Bon, on est d'accord que le mec là, enfin ce monsieur un peu bizarre qui avait l'air de pas être seul dans sa tête, il était par là, hein, il était au niveau de la voiture. Hein. Donc j'ai envie de vous dire, on va pas s'attarder, hein, voilà. Super, il n'y a plus de route, il va falloir s'enfoncer dans la forêt, youhou! Promenons-nous dans les bois, avant que je meure. Petite fille qui veut jouer à la baballe. Ah. Hello. Ah oui, on a des traces au sol. Cette forêt n'invite pas à venir faire un pique-nique. Je sais pas ce que vous en dites, mais qu'est-ce que... C'est où? C'est là-bas? D'accord. Ah. What's this? T plus K, 1968. Attendez, il y avait un truc sur le tronc. C'est une main. J'adore la nature, hein, mais là, dans cette forêt, j'y mets pas un pied. Oui, bah oui, mais c'est tellement mieux de rentrer par les égouts plutôt que de rentrer par un portail, l'entrée, vous savez, une entrée principale. Non, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi? Et en plus, on va se cochonner au passage, hein. Voilà, regardez, on marche dans la boue. Très bien, très très bien. Mais ça n'a rien à voir. Ah bah oui, bah... Bien sûr, bien sûr. Warning, ok.
Attention, en raison de la découverte récente de dépouilles, les travaux de rénovation sont interrompus pour effectuer des fouilles archéologiques. Super, et en plus, donc, on va se transformer en Lara Croft. Oui, voilà, très bien. Très, très bien. Something happened here. Sans blague, il s'est passé quelque chose ici. Oh, bah, j'aurais pas deviné, dis donc. Ah, d'accord, c'est à moi d'avancer. Je la sens pas, cette histoire. Non, 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 vraiment, je la sens pas, cette histoire. Voilà! The split would come and go. If a place had a story to tell, well, I guess I was there to listen. Ok, donc là je vous explique à peu près parce que ça je connais cette mécanique de jeu. En fait, vous avez sur le côté gauche de votre écran la vision normale et du côté droit sa vision médium, c'est-à-dire qu'elle voit le lieu comme un moldu ne le verrait pas. Et je sais qu'il va falloir dans le jeu en fait alterner les passages réels et plan astral, puisqu'on va pouvoir déverrouiller des passages dans le plan astral qui vont pouvoir permettre de déverrouiller une partie du chemin dans le monde réel. Mais vous allez comprendre. Vous voyez là par exemple à droite on a un interrupteur là sur le mur et à gauche côté plan astral on a une espèce de je sais pas quoi qui brille. Focus sur le monde matériel. Dead. Like everything else in this place. Focus sur le monde spirituel. Qu'il faut trouver un moyen de... Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, à mon avis, il faut qu'on trouve quelque chose. Dessin sinistre, sans blague. Moi, je le trouvais très gai ce dessin, non? Hein? Il inspire l'amour. Ok, il y avait juste ça à trouver. Et je vais réallumer l'interrupteur avec mon dessin. C'est que c'est pas conducteur le papier, hein. Pas certain de vouloir m'enfoncer là-dedans en fait. The place felt old and soaked in misery. Figures, I guess. A thousand years of history doesn't just happen. It's paid for. But even in the deepest darkness, ah, j'avais pas vu les corps au fond. Can linger. Lonely, fragile, waiting for someone to embrace it. Donc vous voyez, dans le monde réel, on voit juste des gravats, et dans le plan astral, on voit... Oh, c'est un globe. As I absorbed the energy, I wondered who it was that left it behind. A dying soldier whispering the name of his beloved? Or maybe just glad to be done with this world. J'ai touché, je sais pas ce que. Peut-être que ça a ouvert l'interrupteur là-bas, je sais pas. On va voir ça. Ah! Bah non, là je peux pas.
In any case, I figured I could use it. Energy's energy, right? Maintenez RT pour charger une onde spirituelle. Oh, so that worked. Good for you, Marianne. These powers of mine, as much of a pain in the ass as they were, they did come in handy sometimes. D'accord. Donc là, vous avez vu, on a pu récupérer une énergie dans le plan astral qui nous a permis de pouvoir mettre de l'électricité en fait dans le générateur. So there I was, existing in two worlds, but never really living in either. En même temps, l'autre, elle part, elle est à poil. Elle a même pas une écharpe, elle a pas de bonnet, elle a rien. Et forcément qu'elle a froid. Caution! Attention, danger d'incendie. Ok. Remarquez là, la forêt pour Orlesia avec mon Myrdine, là je me verrais bien me balader dedans. Mais il faut que je sois entouré d'un groupe de 20 personnes au moins, parce que tout seul c'est pas envisageable. Alors, oh là là, une croisée de chemin. Étrangement, j'ai un problème en ce moment avec la... J'aime pas trop les carrefours. Ah, what happened to you? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, il s'est fait attaquer par un loup. Enfin, un loup ou autre chose. C'est revu la blessure, je pense que c'est plus autre chose. Ouais, non, rien à voir de particulier. À gauche, à droite, la caméra montrerait là, mais il y a peut-être quelque chose de caché de ce côté, donc on va aller voir. Pourquoi j'ai la sensation que c'est une mauvaise idée? Oh, la petite maison à esprit là, j'aime pas trop ça. Non, c'est une pierre tombale. What the hell? Mais c'est hyper creepy cette affaire. Car la petite poupée là, du singe avec les cymbales là. Ouais, je pense que c'est une tombe. Attendez. Je vais regarder, il y a peut-être la vision de médium à activer dessus. Peut-être qu'on verra quelque chose qu'on ne voyait pas. Non, ça n'a pas l'air non plus. Hein. Il y a l'air d'avoir des jouets. Je pense que c'est la tombe d'un enfant. Allons, bon, qu'est-ce qui s'est passé encore? On va essayer de découvrir ça. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer sur ce banc là? On dirait qu'il y a des bricoles, mais on ne peut pas les récupérer. Ok. Il me stresse ces changements d'angle de caméra là, ça crée une angoisse, je trouve.
là, elle va se faire choper la cheville. C'est un classique dans les films d'horreur. Non, même pas. À peine mentir. The aura in that place. I've seen others like it, but never this intense. It was like a landfill of memories, emotions, and none of them good. Mais vous avez vu, on aurait dit que ça faisait carrément une faille dans le plan astral. Le lieu doit être très chargé. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde aussi dans le bâtiment, mais pas forcément vivant. Téléphone. Remarquez que le téléphone, il n'a pas de fil. Oui, bah, j'entends des voix, mais je dois faire quelque chose de particulier. Maintenez LB. Ah. Definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. I'm here. No, it's definitely something. Trust me, you made the right call sending me. Yes. It's only a matter of time. Okay. Even the objects here had auras. When I touched them, I could sense their stories. Words, images, feelings left behind. D'accord. Avant d'entrer dans le bâtiment, je vais peut-être faire un tour de l'extérieur. Je voudrais pas louper quelque chose peut-être d'important. Donc là, normalement, voilà, à droite, il y a le téléphone. Donc on va voir à gauche ce qu'il y a. Allez, cours là! T'avais froid, ça va te réchauffer.
Inauguration, été 69. Camarade, je vais pas tout vous lire. Hein. Premier secrétaire du parti ouvrier. Station Niwa, nouveau centre de loisirs, de villégiature. Enfin, un endroit où passer du temps en famille, en pleine nature. Le bâtiment principal et les logements sont confortables mais simples à l'image de l'esprit de la philosophie socialiste. Saluons tout particulièrement Monsieur Rekovic, architecte, futur directeur et membre dévoué du parti, ainsi que la station de Niwa n'aurait la station de Niwa n'aurait pas jamais vu le jour. On a 25e anniversaire de la République populaire de Pologne. Nous sommes donc en Pologne, les amis. Ça me donne envie de boire de la vodka, ça. Oh, les clichés. Je vais peut-être pas courir comme ça tout le long du parking, hein, parce que... Hey, old-timer. Now, what's a fine machine c'est quoi, like you doing terre? In a place like this? Doubling as a spare bedroom, ah. Apparently. Il y a une autre carte postale. Ah, c'est, ça fait bizarre, cette photo. Parce que, alors, regardez le bâtiment. Donc, c'est la station Niwa. Et ça me fait énormément penser à Saint-Étienne. On avait un bâtiment qui était dans le quartier de... c'était où vers Montplaisir, la Montchauvet, tout ça, si vous connaissez. Aujourd'hui, il y a le CHPL. Et c'était un bâtiment qui était baptisé la Muraille de Chine. Parce que c'était un très, très, très long bâtiment qui était très, très haut. Il avait, je crois, une vingtaine d'étages. Et il était très, 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 très long. C'était la zone, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. C'était le quartier le plus mal famé de Saint-Étienne à l'époque. Hein. Et je crois que c'est vers 99, 2000 ou 2001, je ne sais plus quand, qu'ils ont fait sauter. Et là, ce que vous voyez, le petit rond, vraiment, tapez Muraille de Chine Saint-Étienne, vous allez voir, ça me fait vraiment penser à ça parce que alors, ça y ressemble en toute pièce. Bon, voilà, c'était encore une petite anecdote. On s'en fout complètement. On passe à la suite. Attendez, j'ai pas lu la carte postale. Hope you don't mind if I pop your trunk. J'ai pas lu la carte postale. Bon, c'est pas grave. Peut-être qu'on pourra la relire. Elle doit être dans l'inventaire. Not much here. Pas grand-chose. Although, this could come in handy. Mais il y a un tournevis. Vous voyez, j'ai bien fait de fouiller. Ow! Shit! What the hell? Ok. Qui klaxonne? Y a quelqu'un dans la voiture? Par contre, vous le voyez là, on dirait un papillon. Ah, je rêve pas, y a un papillon qui est dessiné au niveau de la place de voiture. Hein, avec des petites empreintes de pas. On va continuer à fouiller quand même pour voir s'il n'y avait pas autre chose. Là, il y a une ampoule. T'as pas besoin d'une ampoule, non? Ah, regarde, il y a un autre papillon, là. Vous croyez que c'est une coïncidence? Ou peut-être qu'il faut vraiment que je vienne... là où il y a des papillons? Je sais pas. Je sais pas du tout. Vraiment, je vous dis, hein, je découvre le jeu en même temps que vous. Là, il y a des flèches. Regardez, il y a une flèche verte. Ah, il y a autre chose, là. Horizon nouveau. Le programme Buran. Lancement prochain d'une nouvelle navette. La téléphonie mobile. L'avenir des télécommunications. Non. Éradication mondiale de la variole. Le plus grand progrès médical de notre époque. Téléphone mobile en 1999. Et alors, du coup... Ah non, 1993 93. Et du coup, 30 ans plus tard, on en est où de la téléphonie mobile, hein? Est-ce qu'il y a eu des progrès à ce niveau-là? Je peux le prendre? Je fais quoi? Non, il y a juste à le regarder. La Terre 2.
Bah, déjà qu'on a détruit la première, hein. Si on en trouve une deuxième, on va éviter de tout détruire, ça serait bien. Bah, écoutez, je sais pas, les amis, y'a rien. Ouais, non, y'a. C'est un magazine astronomique. Est-ce qu'il y a autre chose? Ah, il y a une bouteille là. Apparemment, je peux pas la prendre. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le conteneur? Non, bah là, clairement, on peut pas passer ici. Il n'est pas censé y avoir de l'électricité, hein. Bon, m'excusez, hein, je fais le tour du parking, mais j'arrive pas à trouver une place, alors bon. Là, je suis sûr qu'il y a quelque chose, là. Non, il n'y a rien. Pourtant, ça aurait été un bon lieu pour cacher quelque chose. En même temps, je crois qu'on est arrivé par là, hein. Il y a une canette là. Ou c'est une boîte de... C'est une boîte de boue pour chat encore. La boîte toute dégueulasse. On va aller regarder là-bas au fond. Peut-être qu'il y a quelque chose. Regardez, il y a une flèche là encore. Je sais pas pourquoi je vous pointe l'écran. Vous le voyez bien. C'est complètement débile ce que je fais. Poubelle, là il n'y a rien. Là, Berk, il est bizarre ce qu'on a. Vous m'excusez, hein, mais. Dans tous les jeux, je prends toujours le temps de tout bien fouiller. Parce que parfois, les concepteurs peuvent être assez vicieux et ils peuvent vous cacher des choses qui sont dès le début, que vous auriez pu trouver très facilement. Mais comme parfois, on n'a qu'une envie, c'est de courir bêtement tout droit sans savoir où est-ce qu'on va. Prenez toujours le temps de fouiller. Non, bon, je pense que... On va quand même, par acquis de conscience, on va quand même aller à l'autre côté du parking, là. Pour voir si s'il y a rien. Comme ça, au moins, on sera sûr d'avoir rien loupé. Ah, il y a la marelle. Vous croyez que je peux jouer la marelle? Ah, mais je crois que je peux jouer en... I sent something. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui a joué dessus. Attendez, je me souviens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop, soleil. Je ramasse mon caillou et je reviens. Oh, je viens de rajeunir là de moins 25 ans. Vous voyez, il y a des flèches sur le parking, c'est bien bizarre. Pourquoi? C'est peut-être l'essence de direction. Non, je crois pas que ça doit être l'essence de direction. Non, on dirait que c'est dessiné à la craie. Vous voyez là, il y a une case avec une flèche, mais on en vient. C'était la marelle, donc je pense que c'est ça qu'il fallait regarder. Hello? Anybody in there? Locked. Obviously. There's gotta be another way.
Elle est sérieuse là, le bâtiment il est en ruine. Elle cherche à rentrer par une porte. Moi je prends une pierre, je pète la vitre. Non, je sais pas, soyons logiques. Regardez là, au pire elle prend son tournevis, elle met un coup de tournevis dans la vitre et l'affaire est résolue, personne n'y verra rien, le truc il est déjà en ruine, je sais là-haut. I think there's a broken window up there. If only I could reach it. Donc rassurez-moi, là me dites pas qu'il va falloir chercher une caisse pour qu'elle monte sur la caisse, qu'elle prenne le risque en plus de se blesser à monter là-haut alors qu'elle pourrait péter la vitre en bas. Ah, il y a un autre papillon ici. Ah, le fameux tournevis, voyez ? Elle était utile. So began the great dumpster heist of 1999. Non mais elle est sérieuse, elle va vraiment chercher quelque chose pour monter Mais elle est sérieuse en plus, d'accord. La logique parfois dans les jeux vidéo. I'm starting to get tired of your shit, Neva. You better be worth it. En même temps, je maintiens, elle aurait pété la vitre là à côté d'elle. Pas grave. On va pas épiloguer 10 ans sur ce sujet parce que... Regardez comme là, regardez tout ce qu'il y a autour là. Elle va prendre le risque de se blesser en plus. Elle va s'ouvrir les veines, ça va finir en septicémie et elle va rejoindre l'armée de fantômes qu'il y a déjà dans le bâtiment. Voilà. Alors que, vous avez vu, la vitre là, si elle avait pété la vitre, hein, ça revenait au même et en plus elle avait moins de risque de se blesser. Voilà, nous sommes donc entrés dans l'hôtel. The Neva massacre. I need to find this Thomas guy and get the hell out of here. Qu'est-ce qui a pu bien se passer ici? Ok. Eh bien les amis, qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce sera le sujet de la partie 2 de Medium, puisque je vais m'arrêter là. Je ne vais pas non plus vous faire des vidéos trop longues pour pas que ce soit trop pénible à tout suivre. Si jamais vous avez aimé ce jeu et que vous êtes impatient de découvrir la suite, n'hésitez pas donc à me le mettre en commentaire, à mettre un petit pouce bleu aussi sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne bien entendu. Vous pouvez également la rejoindre via la souscription également. Et puis, bah, moi en attendant, je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très vite dans la suite de Medium.